Il sommet déjà. Il sommet pour nous dire, pas venir faire souffrir. Ça y fait, il fait bandit amplifié, à tirer sur le monde. La police informée, le commissaire informé. L'homme est un bandit, un assassin, un poste que vous devez qui va qu'on roule, qui va qu'on s'habille. C'est ça, comme résultat, c'est roller. Pourquoi c'est déjà marché pour justice la mort, il pense que l'exécutif n'a pas mouru bon pour manger des sacs. Point de battement non là, tout ça va faire des exécutifs dans la paix par le biais de et va avoir des délégués comme on est romain. Pierre au dedans. Qui est en prison? C'est l'État. C'est l'État qui a besoin de nous connaître ça. C'est l'État qui est en prison. Avocat qui est en prison. Et c'est l'État qui est en prison. Or, c'est nous-mêmes Bao qui ben manger dans la prison. Quelquefois. C'est nous-mêmes Bao qui nettoyer la prison. C'est nous-mêmes Bao qui porter de l'eau dans la prison. Et nous-mêmes Bao qui ben gaz pour faire manger aux prisonniers. Les gars marchent pour la faire à mon message. Mais qui veut le faire pour ça? Bon, depuis le monde, je m'en baille. Mais il y a un avocat qui parle à la commissaire de l'année qui faut m'aider pour lui. Ça c'est lui. Moi, je ne vais pas dire l'année parce que je suis blédé. Pourquoi? Ça c'est lui. Mais il faut comprendre que le système n'a pas été handicapé. Chaque fois, on fait audience. Soit il y a audience pendant un mois là, mais il y a là où il y a. Dès lundi, il y a audience quand même. Si on va faire grève. Comment comprendre avec des corruptions qui ont fait et que Yodi qui a fait un conseil présidentiel là avec toi CPO? Qui m'a dit toi n'est que dit qui volait là? Oui. Haïti mon pas une personnalité. Ou yo accusé de tout voler combien millions de gouttes? 100 millions de gouttes? Quand vous avez pour s'abtenir pour qu'on va à côté, vous avez fait ça. Parce que vous volez, vous ne pas voler, vous ne pas être capable de vous ça. Parce que, pas bon. Je ne sais pas si vous avez dit qu'il volait. Mais ça, vous avez volé. La dernière fois, vous avez trois présidents, c'est pas conseil présidentiel. Le président de la présidentielle, c'est pour avoir volé. Oui. Soit au divin créateur qui m'a prêté la vie. Une vie assortie d'une santé robuste, m'ayant permis d'accomplir une besogne aussi laborieuse. Gloire également au Saint-Esprit qui a éclairé et guidé ma conscience durant ces deux longues carrières de mon choix, l'une aussi noble que l'autre à mon propre avis. Je demeure très reconnaissant envers l'ordre des avocats du barreau du Cap-Haïtien qui, par l'entremise de son bâtonnier en exercice, Maître Brunel Elsine, a tenu le 19 mai de l'an dernier, à l'occasion de la célébration de la Saint-Yves, patron des avocats, à honorer mes 43 années de prestations comme professeur au lycée national Philippe Verdier, et simultanément mes 44 années d'instruction comme avocat au tableau de l'ordre des avocats du Tibarou. Je remercie infiniment la 4e judiciature du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, dont le président en exercice, magistrat Jean-Joseph Lebon, non content de m'avoir honoré solennellement à la capitale de la République le 5 décembre 2023, en raison de mes prestations durant ma carrière de magistrat, m'est vesti aujourd'hui
au moment de mon départ à la retraite du titre de magistrat honoraire, conformément aux articles 56 et 57 de la loi du 27 novembre 2011 portant statut de la magistrature. Je remercie de tout cœur mon digne remplaçant en la personne du juge Gary-Paul Engrand pour son esprit d'initiation. Il tenait à cœur à ce que je parte dans une ambiance chaleureuse et festive et il a gagné le pari. Je le remercie encore pour ses propos bienveillants à mon endroit et pour son geste à la fois remarquable et indélébile. Je remercie pour sa parfaite collaboration dans le temps le magistrat Jean-Claude Théogène, devenu aujourd'hui vice-président de la Cour de cassation de la République. Je remercie également tout ce qu'ils ont été pour moi, mes anciens collaborateurs, les juges Michel Guillaume Docteur et Volvic Michel, tous deux en attente de la liquidation de leur pension civile de retraite. Je remercie également mes ex-collègues de travail formant la composition plénière de la Cour ce matin, ainsi que les dignes représentants du ministère public, pour leur collaboration sans faille et leur contribution méticuleuse au succès de nos travaux et à la renommée nationale de la Cour. Je leur demande donc de toujours maintenir la dragée haute. Je présente mes chaudes félicitations au juge Audin Joseph que voici, qui part aujourd'hui même comme moi à la retraite, après avoir servi sa terre natale, entre autres, comme juge de paix de la section sud du Cap-Haïtien, comme représentant du ministère public près le tribunal de première instance de Fort-Liberté, et comme juge et juge d'instruction, puis comme doyen du tribunal civil de Rech, enfin comme juge à cette cour, suivant deux mandats et plus. Je félicite le personnel administratif et le personnel de soutien qui constitue la cheville ouvrière indispensable, sans laquelle rien n'aurait été réalisé. Je remercie en fin de compte ma progéniture et ma compagne pour leur stimulation inconsciente de mon ardeur quotidienne à la besogne et pour en avoir supporté consciemment ou inconsciemment le prix. Je termine en disant un grand merci à tous ces beaux mondes ayant bravé ce midi les rigueurs de l'automne, rien que pour nous réchauffer le cœur. Encore merci. À court, en juin, au Grand Conseil des Sièges, je remercie le conseil d'avoir de tous ceux qui viennent d'être dit et fait à sa cérémonie solennelle de reconnaître la voie judiciaire, afin que dans un délai de dépassement par 24 heures, les signatures des variétés nécessaires puissent y être apposées et que tout intéressé puisse y répondre au besoin. Je vous suis. Monsieur. Ok. La cour lève, monsieur. Parce que 200, plus que 200 de victoires.
La justice a bien assez de force pour combattre la justice. Mais c'est la justice qui a levé. Toute la guerre, la justice a créé en bas pour pas gagner comme marché. Parce que l'impunité a été et nous, l'insécurité a commencé à basse de notre bâtiment. C'est la justice encore. Parce que c'est lui qui peut mettre des mesures coercitives. D'abord, pour le monde qu'on est, s'il fait ça, mais ça ne va pas joindre. Mais si vous n'avez pas fait tout ça, le verre, il a marché normalement sur le monde, comme ça va. Donc, c'est pour ça qu'il faut que nous avons tous les droits pour voir, on va faire même bagaille. La justice, ça, c'est lui qui vous met des mesures en place pour que nous sortions. Mais c'est ça, nous sommes dit ça à la même. Pourquoi que la justice soit un service public pour régler la libération? Ça, parce que deux ans de tribunal qui sont passés, ça nous sommes dit ça à la même. C'est pas normal. Donc, il y a les populations. La population met des mains dans le patate, que vous suspendez passif, que vous levez en paix, que vous dites que vous ne pouvez pas accepter ce que vous avez. Pour moi, je salue. Et la presse qu'il a, surtout à cette occasion spéciale, la réouverture des tribunaux. Nous connaissons déjà lancé, je dis à ce lancement, toute activité judiciaire, parce que c'est prévu par la loi, et chaque premier lundi du mois d'octobre. Cependant, on va nous relater, il y a un symbolisme qui est attaché à ça. Ce n'est pas seulement lancer le tribunal, ce n'est pas seulement lancer l'activité. C'est pour nous parler tout de l'engagement de chaque citoyen, engagement acteur et judiciaire, à savoir juge, commissaire, c'est-à-dire les magistrats debout, les magistrats assis, c'est-à-dire les juges, et puis tout, les avocats. Et il y a une information lignée, il y a deux institutions, c'est le barreau et puis la Fédération des barreaux d'Haïti. Que nous, ouais, qui campent à l'écart et qui ont même pas plein des engagements citoyens pour nous camper, pour nous dire ça. Pas de continuer, particulièrement corruption que nous connaissons dans la plus haute sphère de l'administration de l'État. Nous avons un rapport qui est sorti d'ici quelques jours, depuis quelques jours, pardon, et que le rapport ça lit nommément indexé trois conseillers, à savoir M. Emmanuel Vertilaire, ancien juge, juge d'instruction au tribunal de première instance du Cap Haïtien, et deuxièmement, il y a Smith Augustin, troisièmement, il y a Louis-Gérald Gilles. Rapport clair, travail a fini fait, et trois messieurs ça ont indexé dans le marchandage, dans la corruption active et passive, surtout dans ça qui découvrait ensemble avec le dossier de GBNC. Qu'on y a là, pendant que nous avons lancé le tribunal, la forme clair sur ça, la justice doit prouver, doit bailler confiance encore à justiciable, à ensemble acteurs. Pour normalement, régulièrement, engager poursuite contre trois CPT qui pas couvri par aucune immunité présidentielle. Je dis encore, M. Emmanuel Vertilaire qui consacre la justice parce qu'elle était juge d'instruction et après qui vienne avocat, c'est normal, mais consacre la justice, lié épinglé, il faut que vous-même commencez à mettre à côté et laisser la justice faire travail. Car, pas qu'à gagner justice, pas qu'à gagner une bonne politique, une saine politique, avec trois mouns qui indexent, trois mouns qui épinglent nos questions de corruption, parce que pour chef, il faut une crédibilité, il faut une moralité, il faut une intégrité. Donc,
nous attendons vraiment une ouverture. C'est là, dans la semaine, ça, nous attendons que l'action publique mette en mouvement pour que trois CPT ça. Trois CPT ça, et l'ESA public, l'ESA justiciable, là, a pour retrouver confiance. Malheureusement, nous attendons des discours barreaux, cabahisseurs. C'est un discours qui va avoir aucun engagement là-dedans, qui foi, qui n'est pas profond. Il y a un discours qu'on va sentir. L'histoire même du barreau, c'est qu'on donne chaque fois un discours. C'est un plaisir pour les journalistes de venir entendre des discours. Parce qu'on est scandé, vous entendez les grandes lignes qui sont retracées pour pouvoir avocat engagé pour une nouvelle année. Malheureusement, ce discours a été foi, puisque vous êtes intéressé, vous attendez un discours qui est engagé, qui demande pour avocat, vous engagez comme de bons citoyens dans la lutte contre la corruption en Haïti. Pour qui ça? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas mis? Est-ce que c'est parce que Mme Emmanuel Vettel est cité dans le rapport que Barreau n'a pas pris sans engagement pour le dire, oui, comme un seul homme, nous-mêmes, nous pour société, nous pas pour nous, nous pas pour des intérêts particuliers. Nous-mêmes, nous pour société, il faut qu'ils lutte contre la corruption de manière effective, une lutte effective qui est engagée pour la corruption dans le pays. Mettez-vous au channel. Nous connaissons que. Et la justice a fait travail, certes, mais si et seulement si nous n'avons pas une poursuite qui fait dans le dossier ça, qui ça veut dire ou même comme avocat et comme juriste? Je vous dis là, semaine ça son occasion pour la justice pour elle. Moi, je crois dans la justice. Moi, je crois qu'elle a bien suivi un rapport UNCC. Qu'on y a s'il pas fait, comme si avec si nous avons mis tout Haïti nous avons mis en bloc, tout Paris dans une bouteille. Je ne veux pas engager dans ce cas. Je veux rester côté qui est clair. C'est que la justice pays, qui veut croire là-dedans, là, qui engage sur un nouveau leadership, un nouveau contexte sociopolitique, a engagé et a normalement n'a prouvé avec le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui a mis l'action publique en mouvement. S'il va faire que le commissaire du gouvernement repose peut-être un peu une question, est-ce que là, il permet que la justice là prenne force? Pour nous croire dans la justice. Mais Chanel, dans l'intervention, on dit que le conseil présidentiel n'a pas de gagner une immunité. Non, pas de gagner. On est entendu sur ça, mais tweet de saluer les présomptions d'innocence là. Ah oui, mais nous pas jamais. Présomptions d'innocence, pas mettre à côté la poursuite, même pas dans la poursuite, ou couvrir par la présomption d'innocence. Nous ne pouvons pas ignorer ça. Mais cependant, nous en matière politique, nous sommes un moment fragile. Nous sommes un moment côté, nous perdons confiance. Nous sommes un moment côté, nous n'avons pas assisté à un échec collectif. Nous avons besoin de monde qui est intègre. Nous avons besoin de monde qui est crédible. Nous sommes un moment comme ça. Nous ne pouvons pas permettre nous. Prenons toute chance. Nous ne pouvons pas permettre nous prendre toute chance. Est-ce que c'est monde qui va y en payer encore? Est-ce que c'est fini? Nous croyons dans la justice. Nous croyons qu'il y a un monde. Nous croyons qu'il y a un reste. Là en Haïti. C'est ça au brandi qui fait au dire pas pas mettre à l'écart. C'est ça au brandi parce que au dit présomption d'innocence là pour rire. Ouais, même monde qui en détention préventive, il y a toujours couvert par présomption d'innocence.